Bonjour, alors quelles sont les grandes tendances dans cette rentrée 2020 au niveau des lunettes hommes? Je vais vous montrer 5 incontournables, 5 lunettes qui font vraiment le gros de la mode. Et on va commencer tout de suite avec la petite ronde, effet assez rétro. Là, vous l'avez chez Paul Raffloren, façon écaille et dorée, toujours des branches fines. Alors, ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est vrai que c'est la grande tendance, hein, de la branche fine. C'est fini les grosses, grosses branches. Ensuite, en numéro 2, on va voir les montures pilotes qui reviennent énormément aussi. Alors là, un modèle un petit peu particulier, mais dans l'esprit pilote de chez Carrera. Vous remarquerez que c'est toujours une branche fine. Hop, on avance comme ça. Voilà. Ensuite, on va avoir ces montures fines, par exemple chez Ray-Ban, sur des effets qui peuvent plus rectangulaires, mais aussi beaucoup plus hautes que ce dont vous avez peut-être eu l'habitude de porter. Toujours très fin, vous voyez, celle-ci est en couleur gun. Ce qu'on appelle gun, c'est du gris métallisé. Avec, pour les inconditionnels du plastique, ça se fait toujours, on en vend beaucoup, mais on a augmenté les hauteurs. Avec là, par exemple, un modèle de chez Police, vous voyez qu'on a une certaine hauteur. La tendance se porte, vous voyez même les miennes, un peu plus haute au niveau du verre. Avec un modèle vraiment passe-partout, facile et très confortable. Et bah, mon petit coup de cœur, c'est un peu le type de lunettes que je porte. Là, on va se retrouver sur une petite monture ronde, un peu gris cristal comme celle que j'ai. Celle-ci est un peu plus foncée. Là, on est chez Armani. Vous voyez que même sur les plastiques, toujours une branche plus fine. Et voilà, avec ça, 5 types de lunettes, 5 incontournables pour la rentrée 2020. Vous êtes au top. Et je vous dis à très bientôt chez Atoll à Istres. Allez, au revoir.